Bilan moyen pour le réseau Fil Bleu sur l'année 2010. Les transports en commun Tourangeau ont vu leur fréquentation baisser de 3,6% par rapport à 2009 pour s'établir un peu plus de 24 millions de voyages. Les raisons de cette baisse sont multiples, à commencer par les conséquences de la crise économique. Comme dans d'autres villes, les Tourangeaux ont revu quelque peu leurs déplacements, quitte à se priver de certains d'entre eux jugés inutiles. Pour preuve, les abonnements Liberté, ces cartes qui ne permettent de payer que les trajets effectués à tarifs préférentiels, connaissent une croissance sans précédent. Leurs utilisateurs ont pratiquement doublé entre 2009 et 2010. Ils sont environ 30 000 à l'avoir adopté. Autre motif, les perturbations extérieures sur le réseau. Au total, 40 jours de trafic perturbé pour intempéries ou blocage de dépôt, 11 jours. Les manifestations et les mouvements sociaux pour les retraites, 23 jours. Et puis les autres mouvements sociaux locaux, cette fois-ci, 6 jours. Mais le facteur principal de cette baisse, ce sont bien sûr les travaux du tramway, arrivés dès l'été dernier. Ils seraient responsables à eux seuls d'une baisse de 2,5% de la fréquentation. Mais la Tour ne s'en sort pas trop mal, à comparer des 5 à 8 points de baisse constatés généralement dans les autres villes. Selon Fil Bleu, cette baisse minorée serait due à la mise en place d'un réseau travaux stable pendant le chantier. Mais en 2010, il ne s'agissait que des travaux de déviation des réseaux. 2011 voit l'entrée dans la phase concrète du chantier. Fil Bleu reste cependant confiant pour l'année en cours.